Cette année, l'hiver ne semble pas vouloir finir. Nous sommes en mars et toute vie semble disparue. Mais sous la patinoire éphémère se cachent encore bien des surprises. Le brochet, roi incontestable de l'étang, n'a pas de prédateur à l'âge adulte. Seuls quelques sangsues osent s'y frotter. L'ophridium, avec son apparence végétale, fait pourtant partie du règne animal. Le monde végétal n'est pas en reste. L'utriculaire, malgré son apparence inoffensive, est une plante carnivore. Les nénuphars, quant à eux, peuvent recouvrir de très grandes surfaces selon la qualité et la nature du milieu. Des colonies éphémères de bryozoaires et certaines bactéries appréciant particulièrement ces eaux légèrement soufrées apportent une touche colorée et surnaturelle à cet endroit. L'eau de la nappe phréatique sourd de manière permanente à travers le substrat. L'écrevisse américaine s'emploie à nettoyer le fond à la recherche de tout débris organique ou végétaux. La truite se plaît dans ces cours d'eau phréatiques froids et oxygénés. Poisson carnassier, elle mange des insectes, crustacés et mollusques. En grandissant, elle s'attaque à des petits poissons comme le chabot et le vairon.